Bonsoir et bienvenue à cette toute première émission de Cogiton Astronomie. Ce soir, nous recevons l'astronome amateur, M. Denis Bergeron, qui a vu bien des lunes traverser notre ciel. Que dire de cette légende de l'astronomie au Québec? Que d'avoir, dès son plus jeune âge, la tête dans les étoiles. Il a construit ses propres télescopes, miroirs et bien d'autres appareils qui l'aident encore aujourd'hui à observer les étoiles. Homme polyvalent de son hobby, tant pour l'observation visuelle que pour la photo. Il possède une multitude de montures, d'optiques, de caméras et deux petits observatoires permanents qui lui permettent d'exercer pleinement son hobby lors des ciels dégagés. Il a fait la découverte de deux astéroïdes et maîtrise parfaitement son art sans pour autant cesser d'acquérir de l'expérience année après année. Il a reçu de nombreux prix pour son dévouement et l'ensemble de ses œuvres en astronomie amateur. Monsieur Bergeron ne compte plus le temps qu'il met tous les ans afin d'organiser des ateliers-conférences avec l'aide de vétérans en astronomie amateur comme ACAIC et le colloque Astrophoto. Ces activités réunissent chaque année de nombreux amateurs qui y participent. Il est aussi l'organisateur de l'activité du camping astronomique du lac Écho, qui a lieu dans la réserve Papineau-Labelle, où de nombreux amateurs se rencontrent chaque année dans un environnement chaleureux, et ce depuis plus de 20 ans. Et n'oublions pas de parler de ses nombreuses heures à la cause, soit pour aider ou partager ses connaissances avec les débutants. Il possède un site web avec des centaines de vidéos, tutoriels et plus encore. Nous ajouterons à la description un lien vers le site web de M. Denis Bergeron. Denis sera toujours là pour vous si vous y mettez tout votre cœur afin de réussir. M. Bergeron a exercé le métier d'agent de protection de la pompe pour le gouvernement du Québec pendant plus de 36 ans. Il a reçu une médaille de la gouverneure générale du Canada pour l'excellence de son travail dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur Bergeron a donc passé la majeure partie de sa vie dans la nature, soit pour y faire la chasse aux étoiles ou pour intercepter des braconniers. Sans plus tarder, allons cogiter avec cette légende de l'astronomie au Québec afin de connaître un peu mieux cet astronome amateur, Monsieur Denis Bergeron. Bonjour à tous. J'aimerais vous parler de Denis Bergeron. Si je pouvais établir une comparaison entre Denis puis les objets qu'on regarde dans le ciel, ça ne serait pas long que je pourrais vous parler d'un gros, mais d'un énorme, un gros amas ouvert. Amas, pour toutes les connaissances qu'il a acquises depuis plus de 50 ans d'expérience, ça en fait ça, du bagage à transmettre, puis ça en fait de la patience, puis ça en fait de la pratique. Et puis, ouvert parce que c'est un gars accueillant. C'est un homme qui est simple d'approche, il n'est pas compliqué. C'est un gars avec qui on peut parler, c'est facile, il est accueillant. Alors vraiment, là, c'est un gars que j'ai vraiment apprécié, qui m'a fait énormément avancer en astronomie. L'immense talent de Denis, ça se sent partout où il passe. On dirait que ce gars-là porte les bottes de sept lieues. Vous avez le conte là, qui nous fait avancer, là, les pas de géants. Là. Bien, c'est ça qu'il fait avec nous autres. Il nous fait avancer. Si on se donne la peine d'écouter ses didacticiels, puis c'est pas long qu'on apprend. Puis vraiment, on apprend très, très vite le maniement des instruments et surtout des logiciels en astrophotographie, même au niveau technique, pour savoir comment faire un observatoire robotisé, et ainsi de suite. Il m'a vraiment aidé, moi, à faire le mien. Et vous savez, on prend de un, puis on ajoute un petit peu. Puis lui, en fait, on dirait que c'est un chef d'orchestre qui est capable de tout organiser, les connaissances, puis les transmettre. Puis il sait qui il faut rejoindre, qui pourrait nous donner les bons renseignements. Alors, c'est un homme, c'est une ressource. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui apprennent
elle l'apprécie. Plus on le connaît, plus on l'apprécie. Je suis content de l'avoir connu. C'est un de mes bons amis. Et puis j'ai énormément appris avec lui. Puis même, il m'a amené à travailler dans les projets qu'il voulait, qui lui tenaient à cœur finalement, pour la communauté astronomique au Québec. Vraiment, il y a quelque chose à sortir de cet homme-là qui mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre bonne compréhension, puis surtout de notre enthousiasme à nous de connaître un gars comme ça. Moi, j'ai juste une chose à te dire, Denis, bravo. Vraiment, bravo. Puis, j'aurais tendance à dire comme Buzz Lightyear, là, vers l'infini et l'au-delà. C'est à ça qu'on est appelé, puis c'est à ça que tu nous amènes. Merci, Denis. Salut, Denis. Alors, beau témoignage de Martin. Oui, merci beaucoup, Martin. C'est très apprécié. C'est un vrai. Alors, j'ai bien apprécié. Là. C'est un beau témoignage que Martin a fait. Puis je dois dire que Martin, c'est une personne extraordinaire aussi, qui a énormément de talent. Ça fut un grand plaisir de travailler avec, puis il m'en a appris beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup du bon. Ouais, j'en ai fait un peu. Si tu veux bien, on va commencer l'émission avec la première question. Okay. D'où te vient la passion de l'astronomie? Ah, ça fait longtemps, ça. Ça fait, disons, que j'avais l'âge d'à peu près 8 ans, je passais les journaux à l'époque. Et je me souviens, la première image que j'ai vue dans le ciel, c'était la fameuse Grande Ourse, la fameuse cassole. Je me souviens très bien, quand j'étais arrivé à la maison, j'ai dit à maman, j'ai vu la grande casserole. Ben, tu comprends-tu que ma mère, qui était super bonne dans la cuisine, puis tout, elle dit, la casserole, dans sa tête à elle, là, c'était dans la cuisine. Dit, non, je l'ai vu dans le ciel, la grande ours qu'appelle. Ça, c'était un premier événement qui m'a marqué, c'est voir une figure dans le ciel. Après ça, tu avais les émissions science-fiction de l'époque qui commençaient, tu avais... En français, c'est au-delà du réel. Tu avais des émissions, on parlait d'extraterrestres. À un moment donné, il y avait également les Star Trek en 66 qui débutaient. L'émission Star Trek, ça, c'était fascinant. On parlait de voyages dans l'espace, on parlait de voyages de d'autres planètes, d'extraterrestres, encore là. Mais surtout, ce qui m'avait marqué, c'est que dans le journal de la presse, je le vois encore, mon père avait reçu la presse, puis il y avait en première page, c'était marqué « Atterrissage d'une soucoupe volante au Michigan ». Et là, il y avait un dessin que les gens avaient fait, puis ça avait été vu par des témoins, une centaine de témoins. Fait quand je lisais l'article, on parlait d'extraterrestres. Puis là, moi, à l'époque, je ne savais même pas c'était quoi un extraterrestre. Fait que je demande à mon père, il dit, c'est quoi c'est un extraterrestre? Il dit, c'est des êtres qui viennent de d'autres planètes. Moi, dans ma tête, c'est où? C'est quoi c'est une planète? Puis moi, la Terre, je ne savais même pas si c'était une planète. Là, ça m'a aiguisé ma curiosité. Fait qu'à l'école, ce que je faisais, j'allais voir dans les livres. C'était quoi des planètes? Puis là, j'ai découvert qu'il y avait des étoiles, puis qu'il y avait des soleils qui étaient des étoiles. Puis là, on avait un soleil, une étoile qui était notre soleil. Puis plus je lisais, plus ça me fascinait. Je voyais des photos de galaxies, puis tout ça. Puis ça a commencé vers quel âge? 8 ans. Bien, je dis qu'avant ça, à peu près vers l'âge de... Ben, on a fait du camping avec mes parents, bien avant ça. Alors, moi, j'avais 6 ans, 7 ans. Et je me souviens qu'on allait dans des sites où le ciel était extraordinaire. On voyait la Voie lactée d'un horizon à l'autre. Et je me souviens d'avoir pris du temps de m'asseoir pour simplement regarder les étoiles. Puis encore là, j'avais demandé à mon père. Moi, j'avais un de mes oncles qui était un frère des écoles chrétiennes. Là. Puis lui, c'était un scientifique. Il faisait beaucoup d'ornithologie. Il avait un télescope. Puis il m'avait montré la Lune avec son télescope. Je dois avoir à peu près 7-8 ans dans ces cas-là. Je me souviens encore de cette image-là, puis il m'avait expliqué mon père, il dit, ça, ce que tu vois dans le ciel, c'est tout des soleils. Puis moi, mais soleil, dans ma tête, je ne savais même pas c'est quoi. Là. Fait que, tout ça a aiguisé ma curiosité, le camping, les émissions à la télévision, la science-fiction, qui était en noir et blanc à l'époque. Là. Ouais. La couleur a commencé un petit peu plus tard. Mais ça m'a aiguisé mon esprit. Puis là, la bibliothèque, j'ai commencé à... Puis je me souviens aussi d'une anecdote, j'étais très renfermé à cet âge-là. Je ne parlais pas à... La plupart du monde, eux autres, ils faisaient des choses un peu comme normales, jouer au hockey, au baseball. Mais moi, j'étais allé dans les livres. C'était comme un nerd à l'époque, je regardais dans les livres. À travers tout ça, quelles ont été les étapes de ton cheminement? Bien, ça a commencé... On commence toujours par apprendre dans les livres. Après ça, on veut toujours... Bon, ben, je m'avais demandé à mon père d'aller voir
Le premier spectacle au Planétarium de Montréal en 1966, je me souviens bien, je pense que c'était au mois de novembre. Et là, on voyait un voie lactée en virtuel. Là. On était assis sur des bancs, puis tu voyais la voie lactée, puis tu voyais des spectacles sur le dôme et tout ça. Et j'avais un chuchotois qui se vendait 4 piastres. J'avais demandé, j'aimerais ça de l'avoir. Hein. Il me l'avait acheté. Toi, ça fait partie de ton cheminement. Ouais, fait que là, j'ai appris mes constellations. Et là, moi, je voulais voir la galaxie Andromède. J'avais vu des Pléiades à l'œil nu. Les Pléiades m'avaient fasciné. Je savais que c'était un groupe d'étoiles. J'appelais ça la petite grande ours. Ça ressemblait un petit peu à une grande ours. Puis, je ne réussissais jamais à voir la galaxie Andromède jusqu'à temps qu'il y ait un de mes amis qui me passe une paire de jumelles. Puis, là, à un moment donné, je l'ai trouvé tout ça. Parce qu'à l'époque, Les on voyait. miracles d'une paire de jumelles. Ben, je voyais une petite tache dans le ciel. Ben, j'ai mis la jumelle, vous aviez une petite tache, puis j'ai allongé. Puis là, j'avais été chercher mon cherche-étoile, puis là, je voyais que c'était bien la constellation d'Andromède. Je venais de découvrir la galaxie d'Andromède, M31. Tu sais. Et ça, après ça, ben, évidemment, après les jumelles, c'est le télescope. Donc, mon père m'avait acheté un petit télescope de 2 pouces. Puis moi, je défaisais tout. Un mois après, je défaisais tout. Je voulais voir comment c'était fait. J'avais tout défait, mon petit miroir, mon petit télescope. Fait que là, je voulais avoir un plus gros. Fait que on regarde dans les catalogues de. À l'époque, c'était Sears. Sérieux? Donc, petite lunette qui grossit 400 fois. Tu vois les pôles de la planète Mars. Tu vois la tache rouge de Jupiter. Tu vois tout ça. Waouh! Les anneaux de Saturne. Fait que je dis, je vais avoir ce télescope-là. Mon père regarde le prix. 75 piastres. Oh, oh, oh! Non, je t'en paye à peu près 20 piastres. Le restant, tu vas travailler. Fait que là, je cherchais d'ouvrage. Fait que j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour avoir de l'argent? Tu vas laver mon auto, tu vas peinturer, tu vas laver ta chambre, tu vas nettoyer ta chambre, tu vas faire les ménages dans la T'as cave. ramassé ton J'ai argent ramassé mon argent. pour que tu puisses faire ton cheminement. C'est ça. Fait que là, il m'a acheté la lunette. Fait que je la montre, je regarde dedans. Grosse déception. Tu vois rien, qu'est-ce qu'ils disent dans les annonces. Dans les... Fait que j'ai passé quasiment un an à tout passer à travers. J'ai fait quasiment tout regarder mes objets ici avec ça. Fait que c'était vraiment intéressant. À un moment donné, j'avais un de mes amis, son père, il était membre de la Société d'astronomie de Montréal, la SAM, au Jardin botanique à l'époque. Il est venu chez nous, il savait très bien, moi je me tenais avec son gars, j'allais voir justement Star Trek chez eux, parce que nous autres on ne captait pas à la télévision. Puis lui, il savait que je m'intéressais à l'astronomie, mais lui il avait une entreprise de bricolage, j'avais pas le temps d'y aller, fait qu'il est venu chez nous. Il m'a amené les deux disques de verre avec des abrasifs. Puis il dit, avec ça, tu pourras te faire un télescope. Moi, je dis, je ne sais pas tout comment faire. Il dit, ben justement. Il dit, je vais t'accompagner avec ton père. On va aller au Jardin botanique où ce qui fait le club d'astronomie de Montréal, la Société d'astronomie de Montréal. Puis là, tu vas apprendre à faire des miroirs et tout ça. Mais il y a une belle. En fin de semaine, il y a une grosse exposition. Ça, c'était en 1969, si je ne me trompe pas, en septembre. Il y avait 4 000 personnes, il y avait le maire de Montréal, il y avait des ministres. C'était dans la cour du Jardin botanique, où il y avait 40 télescopes faits par les amateurs de la Société d'astronomie de Montréal, qui était à l'époque autour de 600 membres. C'était le seul groupe d'astronomie, à part de la Société royale d'astronomie de Montréal, qui avait un groupe à l'Université de Montréal. C'est sans doute juste une partie de ton cheminement. Ah, mais ça a commencé là. À cette heure, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qui t'intéresse le plus Qu'est-ce qui en m'intéressait tout? astronomie. Tout m'intéresse. Tout. Le bricolage, la construction, l'astrophotographie, l'observation du ciel, la découverte, puis lire sur les événements spéciaux, là, comme le lancement du télescope spatial, les navettes spatiales, la conquête de la Lune, les conquêtes sur Mars, les sondes sur Mars. Tout m'intéresse. Parce que plus tu en apprends sur l'univers, plus tu t'aperçois que tu es pas vraiment gros, là. La Non. Terre est pas vraiment. Elle est insignifiante, mais en même temps, elle est unique parce que c'est là qu'on vit. C'est là que. Puis qu'est-ce que tu découvres quand tu connais les autres planètes? Parce qu'avec les sondes spatiales, on en connaît beaucoup. Quand tu découvres que notre planète, elle est unique, justement. Puis si on y fait pas attention, ben, on pourra pas aller se réfugier sur Mars ou sur Non, Vénus c'est parce sûr. que c'est l'enfer qui nous attend sur C'est cette pas pour tout de planète-là. suite, Marc. Non. Même là, mais que ce soit possible, ce ne sera pas un endroit facile à vivre. Dis-moi, Denis, qu'est-ce qui a apporté ta passion? Énormément de choses. Elle m'a apporté, le premier main, la fascination, la passion, parce que j'ai appris à bricoler, j'ai appris à faire de l'électronique, j'ai appris à faire de l'informatique, je ne connaissais rien de ça. J'ai appris à faire de l'optique. Mes notes ont monté comme ça.
à l'école, parce que là, les mathématiques, je voyais une application de ça, parce qu'on en faisait beaucoup en optique pour les télescopes. Ensuite de ça, ben, la physique aussi. Quand je faisais mes cours de physique, j'étais un des meilleurs parce qu'on parlait beaucoup des forces. Forces électriques, magnétiques, ça faisait partie des forces de l'univers. Moi, j'étais fasciné par ça. La chimie. La chimie m'intéressait de plus en plus parce que, encore là, l'univers est composé d'éléments chimiques qu'on retrouve sur Terre. Il y a même des éléments qu'on ne connaît pas beaucoup qui sont partis de l'univers. On ne connaît que 4 à 5 % de la matière connue. Le restant, on ne sait pas c'est quoi. T'sais. C'est là que quand tu vois l'immensité de l'univers, les milliards de galaxies qui sont composées de milliards d'étoiles, de différentes âges, différentes grosseurs, différentes températures. Maintenant, on sait que les systèmes planétaires sur énormément d'étoiles autour du Soleil. On est rendu au-dessus de 4000 découvertes. Fait que la fameuse question, sommes-nous seuls? Ça, tout le monde se la pose, la question. C'est, oui, tout le monde se la pose. Maintenant, Denis, comment es-tu impliqué en astronomie au Québec? Mais ça a commencé en 1972. Lorsque j'étais à la Société de l'Astronomie de Montréal, j'étais justement en train de faire des miroirs et je ne savais pas comment faire. Fait que, il a fallu que je parle au monde. Hein, fait que, puis là, les gens qui me montraient juste comment faire les miroirs, mais ils ne m'expliquaient rien. Fait que moi, je vous dis non, je veux apprendre à faire les miroirs, vous allez m'expliquer, puis je veux comprendre. Fait que j'ai commencé comme ça et je suis devenu moi-même moniteur d'optique. J'avais 16 ans, j'étais plus jeune qui était là. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de jeunes. Hein, donc moi, j'avais quoi? En 72, j'avais 16 ans. Puis, les premiers temps, je ne connaissais rien. Ça n'a pas été long. À peu près un an ou deux, quand j'étais membre là-bas, que je connaissais beaucoup l'optique. Je faisais moi-même j'ai fait d'autres miroirs chez moi. Et là, j'ai beaucoup de monde qui venait chez nous faire des miroirs. J'étais quasiment rendu une industrie de faire des miroirs. On faisait des télescopes aussi. Donc, je bricolais. Après ça, dans les années 75-76, il y a eu ce qu'on appelle la création de l'AGAA, l'Association des groupes astronomes amateurs du Québec. Ils ont commencé à créer des clubs. On a eu des clubs. Moi, je connaissais des acteurs de l'époque, Michel Rébeté, Maurice Provencher, c'est des gens avec qui je me tenais, que j'avais connus à la Société d'Astronomie de Montréal, et ces gens-là s'impliquaient. Et là, il a commencé à avoir des congrès à l'époque. Et là, je me suis impliqué dans un congrès comme conférencier. J'ai commencé à faire de la photo astronomique. Il y avait M. Grenier qui m'avait donné une caméra de 35 mm avec du film. Moi, j'ai appris à faire de la photo. J'ai fait d'autres. Thomas Collin m'a montré à développer des négatifs noir et blanc. Après ça, mais un petit peu plus tard, en 1980, moi, j'ai créé les premiers camps d'astronomie au Québec, de Gustapo. J'avais écrit à peu près comme 25-30 lettres à la main. Il n'y avait pas d'imprimante. On n'avait pas de. C'était tout écrit à la main, mais à poster avec des timbres. J'envoyais ça à tout mon monde que j'avais connu lors des congrès. Et on a fait le premier camp en 1980. C'était un gros succès. On était à peu près comme 38. Au camp Marcel, dans la région de Sainte-Béatrix, ça c'était un petit peu au nord de Joliette. Le ciel était super beau. On faisait beaucoup d'observations. On faisait également des échanges. Mais c'est dans le nord. Ouais, c'était c'est là qu'on allait souvent observer, nous autres. Avec nos télescopes, on avait bâti, on avait créé. Ensuite de ça, en 1982, j'étais moniteur à Pont-Rosamond. Ça, c'était un camp de jeunes qui a été créé par Jean Vallière puis Roger Gagnon une couple d'années avant. J'étais de 6 ans de temps, montré des formations en astronomie, en astrophotographie, tout ça. Après ça, un petit peu plus tard, dans les années 90, c'est toujours avec les camps d'astronomie que j'avais développé. Il y a eu d'autres clubs qui ont créé des camps. J'ai fait deux voyages au Chili. J'étais allé au Chili en 1985 et 86. On est allé voir la comète de Halley. C'est un groupe organisé par l'Association des groupes amateurs du Québec. Fait que moi, j'étais là. J'étais un peu comme un moniteur en astrophoto pour montrer au monde aligner leur monture sur le pôle sud céleste. Faire de la photo parce que d'autres ne connaissaient rien là-bas. Moi, j'avais appris à mise en station. Les mises en station, mais sur le pôle sud, c'est pas comme au pôle nord. Ah oui, c'est vrai, c'est l'autre bord. Là. Ouais, c'est ça. Le pôle nord, c'est l'étoile polaire qui est brillante, mais là-bas, t'en as pas. Très, très faible. OK, ouais. Bon, ça, c'était super. Après ça, mais dans les clubs d'astro, j'ai connu d'autres mondes. On a développé des liens d'amitié. En 1981, moi et Maurice Provencher, on a créé les premiers colloques d'astrophotographie. À l'époque, c'était du film. Fait que j'avais recruté une couple de personnes que j'avais connues, donc Michel Rébeté, Jean Vallière, des gens très impliqués à l'époque. Là. On a présenté ça au Planétarium de Montréal, deux années de fil.
Ça, c'était pas mal les premières réalisations. Je m'impliquais de plus en plus aussi dans les revues astronomiques. J'écrivais dans la revue Astronomie Québec, dans la GAA, dans la revue à l'époque, quand j'étais membre de la Société de Montréal, il y avait l'astronaute qui appelait, là, j'écrivais dans ça, encore des vieux articles, Magnitude Zéro, les journaux qui appartenaient à la Fédération des. Parce que avant la GAA, avant la Fédération des astronomes amateurs du Québec, c'était la GAA, l'Association des groupes astronomes amateurs du Québec. Après ça, c'est devenu la Fédération. Mais je me suis impliqué dans la Fédération durant 4 ans comme conseiller. Bon, suite à ça, en 19, il y a à peu près 9 ans, on a créé avec Patrick Dubé et d'autres personnes l'ACAIC. Ça, c'est les ateliers conférences en astro-imagerie du Québec. Fait qu'on donnait des formations sur comment faire de l'astrophotographie avec des instruments. Autant au niveau amateur, avancé, professionnel, avec des logiciels, traitement d'images, tout ça. Ça fait partie pas mal de tes réalisations. Oui, c'est ça. Puis il y a le lac Écho aussi, l'activité du lac Écho, là, qui est une activité que j'ai créée. Ça va faire notre 20e année, là, autour de 2002. On a créé le Club d'astronomie de l'Outaouais, la RAAOQ, Regroupement des astronomes amateurs de l'Outaouais québécois. Je suis un des fondateurs de ce groupe-là. Je suis très impliqué aussi à aller donner des cours, des conférences un peu partout dans les clubs au Québec. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. J'ai été souvent dans les écoles, donner des présentations. J'ai dû avoir vu des milliers de jeunes dans ma jeunesse, puis un petit peu plus tard aussi. J'allais souvent dans les écoles, dans les bibliothèques, tout ça. Je suis très impliqué aussi à ce niveau-là pour justement leur montrer l'univers, c'est quoi, les sondes spatiales, les intéresser à ça. Puis, les jeunes d'ailleurs étaient très réceptifs à ça aussi. Ça, c'est pas mal en résumé. J'ai fabriqué mes télescopes moi-même. J'ai fait deux découvertes d'astéroïdes. Découvert deux astéroïdes qui sont maintenant identifiés. Un qui s'appelle René Racine, qui est au nom d'un des grands, un des grands astronomes professionnels québécois, qui est fondateur de l'Observatoire du Répète-moi Mont son nom. Mégantic. René Racine, c'est un des grands. Puis il y a également Madola. Ça, c'est l'abréviation de trois noms, René Doyon, Christian Marouet, puis M. Lafrenière. Madola, eux autres, ils avaient découvert des exoplanètes autour de l'étoile avec une technique qu'ils ont développée. C'était le deuxième astéroïde que j'ai nommé en leur nom. J'avais lancé Madola. Madola. Elle est identifiée, elle est numérotée. C'est marqué des Bergeron, Val-des-Bois comme découvreur. C'est deux. J'ai participé à des projets scientifiques en astrométrie dans les années fin des années 90. C'est là à l'époque que j'ai découvert des astéroïdes. Suis des comètes aussi. En tout cas, j'ai passé par tout le cheminement d'un astronome, du début à l'observation avec un cherche-étoile jusqu'à la photographie. J'ai conçu mes propres observatoires. J'en ai un qui est automatisé avec la technologie moderne. Donc, je peux tout te contrôler par Internet, n'importe où dans le monde. Les deux qu'on a vus dans le montage Ouais, photo, c'est ça. Mais il y en a un surtout lui est complètement automatisé par le Internet plus parce gros que des deux, non? c'est le plus gros des deux. L'autre, mais lui, il faut que j'ouvre le toit. Tu as aussi Et des à petits part... appareils qu'on voit dans Ouais, c'est l'introduction, ça. Là, je fais dans la partie d'un présentation. groupe, là, Global Meteor Network. Là. Ça, c'est comme un genre de réseau international parce qu'on installe des caméras, puis automatiquement, les caméras photographient les météores. Et là, s'il y a plus de caméras sur le territoire, mais on peut croiser de ce qu'on appelle des corrélations. Fait qu'il y a une caméra qui voit le météore, il y en a un autre qui voit le météore. On est capable de dire sa hauteur, sa Avec vitesse. cette caméra-là. Ouais, c'est tous des algorithmes. C'est des scientifiques qui développent ça. Puis eux autres, ils se servent des données, des caméras qu'on a bricolées puis qu'on a installées dans nos sites. Et on en a de plus en plus de ça. C'est très fort en Ouais, j'ai France. tombé sur un de tes sites là, un moment donné, où C'est il y a. ça. Fait que moi, j'étais le plus à l'ouest de moi. Il y en a beaucoup dans la région de la Montérégie, Mais c'est accessible à nord-ouest. tout le monde, ça, je Oh, pense, hein? n'importe qui pourrait embarquer dans ça. Ou même aller voir, juste voir. Je Oh, pense qu'on peut aller voir vos. c'est tout sur le site de Global Meteor Network. Faites une recherche sur Internet, vous allez tomber sur le site. Puis vous allez voir n'importe où dans le monde s'il y On a des pourra caméras peut-être mettre un installées. lien dans la description Oh, y a pas... pour ça. Bon, oui, tu peux mettre un lien. Puis... Ça, c'est un brevet scientifique. C'est des scientifiques, des astronomes professionnels qui analysent les données des météores pour savoir un peu l'origine des météores, les comètes. En tout cas, Et on a même trouvé avec la triangulation des météores sur Terre. Fait que ça surveille le Ouais, ciel. Fait qu'on voit des c'est satellites, ça. on voit des avions.
Fait que s'il y a un ovni qui passe, son ovni ben, un ovni, que tu avais vu dans ta revue. Que tu avais vu dans ta revue étant jeune, ben, ouais, là, mais c'est ça, vous là. Allez pouvoir le voir avec à ce nombre. À l'époque, on parlait d'OVNI, de volets identifiés, mais de nos jours, mais on en a beaucoup identifié. Oui, oui, c'est ça, beaucoup, beaucoup. si tu veux bien, Denis, on va aller voir une autre petite vidéo que je vais te montrer. Okay. Alors, voilà. Salut, Denis. Te rappelles-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? C'était en 1996 avec la comète Yakutake. Un ami commun nous avait convaincus, Carmen et moi, d'aller chez toi à Val-des-Bois pour aller admirer la comète sous le ciel noir de Val-des-Bois. Mais j'ai gagné bien plus qu'une comète à ce moment-là, j'ai gagné un ami. Ton approche facile a fait en sorte, en fait, qu'on devienne rapidement amis, et nous famille aussi. Tu as une approche facile, mais je devrais peut-être en dire un peu plus. Je n'ai jamais senti de calcul ou d'arrière-pensée en toi. Au contraire, tu es un livre ouvert. Tu partages toutes tes connaissances et dépannes tous ceux qui et celles qui ont besoin d'un coup de main en astronomie. Je l'ai dit toujours, tu donnerais ta chemise pour aider ceux qui, comme moi à l'époque, commencent en astronomie. Mais tu es aussi un innovateur hors pair. Juste un exemple. Un soir, alors que je photographiais la comète Hale-Bopp, donc un an après Yakutake, tu disais pas un mot sauf pour répondre à mes questions de débutant, et tu photographiais avec ton télescope et une caméra CCD la même comète. Le résultat m'a époustouflé. Tu as fait une animation de tes photos qui montrait la rotation sur elle-même de la comète. C'était « wow », renversant. Admirable. En fait, j'ai passé le mot dans mon vocabulaire pour exprimer ce que j'ai vécu en voyant tout ça. Alors, Denis, lâche pas. T'es un sacré bon gars avec plein d'imagination, de fascination pour les beautés naturelles de notre monde et d'enthousiasme pour partager tes découvertes. Continue comme ça encore longtemps. Ben, voilà, c'est merci ton ami Alain. Alain et Carmen, c'est aussi ces deux amis inséparables là, que j'ai connus en 1996, justement avec Yakutake. Je me souviens, ah oui, ça c'est des gens extraordinaires. Une chance qu'on les a. D'ailleurs, ils sont très impliqués dans le club de l'Outaouais, le Rahaoku et Ewolakeko. Carmen, elle fait des présentations de manière professionnelle, extraordinaire. Très, très dévouée, Alain et Carmen. Ils sont toujours ensemble, ces deux-là. Je ne peux pas les dissocier. Fait que on est chanceux de les avoir, puis ça, eux autres aussi, c'est des gens interrogés. Là. Si je vais mettre quelqu'un à aller voir, ouais. Voir les interroger, pour ça vaut la peine. Ouais. Il y a également beaucoup, beaucoup, beaucoup à offrir aux autres aussi, autant au niveau gentillesse. Et Carmen est très, très, très impliquée aussi, hein, elle fait beaucoup de choses pour le regroupement des astronomateurs du Québec, ouais, Alain, pareil. C'est des personnes très impliquées. Ou Lakeko, écoute, si je les avais pas, on n'aurait pas de Lakeko, c'est pas OK, là. Une personne toute seule ne peut pas faire l'activité, mais juste le fait qu'eux autres soient là. Ils sont très impliqués. Oui. Puis la même chose au RAOQ, s'il n'était pas là, je pense qu'on n'aurait pas de club parce que c'est. Denis, considères-tu qu'aujourd'hui, c'est important de partager cette passion avec d'autres? Oui, mais pas juste aujourd'hui. Ça date des années 70. Mais ça, c'est. Moi, je dirais, c'est en tout temps. Pourquoi partager? Mais parce que. L'émotion qu'on vit en étant en groupe, moi, les plus beaux souvenirs, c'était avec mes copains astronomes dans les années 70, avec Maurice Revancher, Thomas Collin, on allait observer ton télescope qu'on avait bâti au camp Marcel, justement, à Sainte-Béatrice, quand j'ai fait les premiers camps d'astro. Et à l'époque, c'était des camps, des vrais camps, avec des poêles à bois. On allait là avec nos instruments. Maurice, il était plus vieux que nous autres, il avait 18 ans de différence. Il venait de chercher. Avec son auto, on embarquait nos télescopes, notre équipement, puis on montait à Camp Marcel pour passer la fin de semaine-là. Puis on allait observer le vendredi soir, on allait observer le samedi soir. Des très beaux souvenirs, on voyait le ciel, la Voie lactée, on observait avec nos télescopes, on avait bâti nous autres mêmes. Et ça, grâce à Maurice, par ses gestes, Maurice était un adulte, et il nous amenait, on était campés, on était allé voir l'éclipse en 1972, en Gaspésie, on a été au Chili avec, on a fait les premiers collègues astrophotographiques en 80, moi et Maurice Provencher. Thomas Collin, c'est pareil, Thomas, il venait chez nous, il était de Repentigny. Okay, je l'avais rencontré par hasard là-bas au Jardin botanique à la Société de Montréal. J'attendais pour faire un polissoir, c'est un genre de
de produits qu'on met sur notre outil pour polir nos miroirs. Et je l'avais vu, puis faire une petite anecdote. Dans ce temps-là, j'allais à l'église, puis j'avais une petite église sur le coin à Repentigny. Quand j'étais sorti sur le balcon, je l'ai vu passer en vélo. Puis quand le mardi suivant, j'étais à Société de l'Assemblée royale, je voyais le gars. Je ne le connaissais pas à l'époque. J'ai posé la question. Il dit, tu restes à Repentigny, toi? Il dit oui. Il dit quelle place? Il dit la rue Yvon. Il dit pas loin de la rue Notre-Dame. C'est à côté de chez nous. C'est à OK, place de 10 ouais. minutes de chez nous. Ah ben, je reste pas loin. Je reste à... Et le lendemain, il est venu chez nous. Fait qu'on est aussitôt pas rendu. Là, j'ai présenté mes parents pour t'inquiète, on avait invité à souper. Fait que moi, lui, il en connaissait beaucoup sur la fabrication des miroirs, le polissage des miroirs, la correction des défauts des miroirs. Fait que j'ai dit, on s'en va dans le cave, on s'en va se faire un testeur de Foucault. Deux. De Foucault, OK. on appelle ça de même, c'est un appareil pour tester les miroirs. OK. Fait que je fouille dans les affaires à mon père sans lui demander la permission. Fait qu'on sort une lampe, on sort un... J'étais allé chercher une lame de rasoir dans ces affaires. Après ça, on est bricolé avec les morceaux de bois, les morceaux, les fils électriques. On s'est monté avec une canne de jus de tomate. On a fait un petit trou pour cacher la lumière. Puis on pointe ça vers le miroir. Puis là, avec la lame de rasoir, on coupe les rayons, rayons courbés pour voir tous tes défauts. Là, j'ai disais, tu vas m'expliquer c'est quoi, là? On voit un bord qui est comme sombre, un côté c'est clair, ça c'est un bord relevé. Ou un défaut dans le centre, ça peut être un bord abattu. Mais c'est qu'avec lui, Thomas, que j'ai appris à faire des miroirs, à corriger les Puis miroirs. Puis... Thomas, ça fait longtemps que tu le Ah, connais. Thomas, c'est là je l'ai connu, en 1970, à Société de Montréal. Lui, il est à Trois-Rivières, il est très impliqué Un dans ami ça. d'enfance. Un ami d'enfance, c'est ça. Puis un qui n'a jamais lâché. Puis un qui a le cœur sur la main aussi. Lui, il était pas. Écoute, Thomas, on était tout ensemble. C'est avec Maurice, avec Thomas, c'était notre groupe, ça. On faisait notre activité d'astro, on allait faire notre observation, on se regroupait là-bas à la Société de Montréal. C'était vraiment le fun. C'est pour ça que moi, avec ces gens-là, j'ai vécu des bons moments. Puis je me suis dit, moi, il faut que je le redonne au suivant. Fait que je ne veux pas garder ça pour moi. Je n'ai aucun intérêt à garder ça pour moi. Au contraire, quand il y avait des nouveaux. On me donnait la chance d'apprendre grâce à des gens, parce qu'il y avait d'autres personnes aussi, la Société de Montréal qui était dévouée. Moi, il y a un monsieur qui simplement, il m'a pris, il m'a dit, viens, je vais t'expliquer des choses avec un cherche-étoile. Mais il a pris le temps de prendre le temps, puis il n'a pas perdu son temps. Et moi, je fais la même chose. Fait que, si la personne est intéressée, De là pour toi l'importance de partager Oui, puis cette ça coûte passion-là. rien. C'est comme donner au suivant. Puis je me dis, mais regarde, si je prends. Puis il y en a beaucoup qui communiquent avec moi. J'en ai même en Europe, là, avec Internet aujourd'hui, en Europe, au Maroc. J'en ai même en Corse, Ouais. en France, qui communiquent avec moi. Puis j'ai un site web que je me suis fait avec des tutoriels, des vidéos, ces choses-là, différents trucs en astrophoto. Fait qu'ils me découvrent avec ça. Ils m'écrivent. Puis jamais, moi, je refuse de répondre. Au contraire, les gens disent, mais. On t'envoie un email, puis tu nous réponds quasiment dans les 10 minutes. Ben, pas quand je suis là. Ouais. Des fois, ça peut être dans la journée. Mais tu nous réponds. C'est ce qu'ils me disent. Puis ils disent, souvent, on envoie, nous autres, des messages. Personne ne nous répond. Et toi, tu es au Québec, puis tu nous réponds. C'est de même que j'ai fait des contacts, puis ça a créé des liens avec des gens là-bas. C'est ça qui est le fun. Puis aujourd'hui, pour toi, en 2022, à quel niveau es-tu rendu avec ta passion? Ah, oh, écoute, c'est sûr que je ne me considère pas comme un amateur. Parce que tout le cheminement depuis le début, depuis les premiers moments que j'ai vu la Grande Ourse, jusqu'au moment aujourd'hui où on fait un observatoire automatisé qui implique l'informatique, l'électronique, la mécanique et tout ça. Ça, j'ai fait ça moi-même. Encore là, grâce à des gens qui se sont dévoués pour me montrer des choses. Donc, c'est comme un travail d'équipe. Moi, je n'aurais pas pu faire ça tout seul. Mais en ayant une collaboration, puis c'est pour ça que moi je considère que c'est important de faire des rencontres entre astronomes, des activités comme le lac Echo, des activités comme le colloque CCD, les ACAIC, et tout ça permet de rencontrer des gens en personne, d'établir des liens, des contacts, puis après ça, il se crée des liens d'amitié, puis les talents de tous et chacun font en sorte qu'on peut arriver avec un beau projet. Puis qu'on réalise un peu comme ses rêves. Fait que moi, c'était mon rêve d'avoir un observatoire automatisé un jour. Et c'est grâce à un de mes amis qui s'appelle Martin Dufault que j'ai rencontré à l'ACAIC, qui est un programmeur. Puis lui, il a fait des drivers pour
un moteur de porte de garage qu'on peut ouvrir et fermer un toit d'observatoire. Il a fait des drivers pour ça, qu'on peut utiliser maintenant avec nos logiciels. Fait qu'il a réalisé mon rêve en partie, parce que je dis en partie, parce que oui, le gars, il offre ça, mais toi, il faut que tu fasses l'effort d'apprendre. Ça vient pas cuit dans le bec comme ça. Il y a énormément d'heures. Tu sais, t'as mis des heures. On en a mis des heures, on les compte pas. Mais c'est ça, une passion. C'est comme un artiste qui va faire de la peinture ou de la sculpture ou de la musique. Il en met des heures. Moi, je voulais finir publié dans un catalogue, puis j'ai réussi. C'était mon but au départ. Ben, c'est ça. Je me souviens des premiers temps quand tu m'appelais, mais aujourd'hui, tu es rendu un pro. Tu pourrais m'en montrer. Ben, on pourrait échanger. On pourrait échanger. J'en ai toujours à apprendre. Selon toi, Denis, pourquoi est-ce important d'étudier l'univers? Ben, premièrement, ça situe la position de l'humain dans l'univers, justement. Parce que quand on ne sait pas c'est quoi, on peut se penser un peu comme le nombril du monde. T'sais. On peut polluer, on peut faire. On prend pas connaissance des choses de notre planète. On ne sait pas c'est quoi une planète quand tu ne connais pas l'univers. Tu ne sais pas c'est quoi le soleil, tu ne sais pas c'est quoi une étoile. L'astronomie, là, depuis l'aube des temps, ça nous a appris énormément de choses sur l'univers. Notre position de la Terre, comme j'expliquais, c'est un point insignifiant. C'est un atome dans l'univers parce qu'il y a des milliards de galaxies qui contiennent des milliards et des milliards d'étoiles de toutes les grosseurs, de tous les âges qui naissent à partir des nuages de gaz, évoluent durant des milliards d'années, produisent de la matière, va exploser, puis dans sa mort, elle va le produire des nouvelles éléments chimiques pour enrichir l'univers. Donc, c'est un éternel recommencement. Et nous autres, on est dans ça. Puis, on a d'autres planètes dans notre système solaire. Puis, souvent, les gens disent que c'est une perte d'argent d'envoyer des sondes sur les autres planètes. On pourrait utiliser cet argent-là pour la pauvreté. C'est vrai. Sauf que l'humain, il est comme ça. L'humain, il a besoin de connaître. Et ça nous a amené à 2022, aux connaissances qu'on a. Aujourd'hui, bien, on a tout ce qu'on a autour de nous autres, les télévisions couleurs, les cellulaires, les tablettes, les autos ultra-performants, les maisons. Fait qu'on est sorti un peu de l'époque médiévale, que tout le monde crevait parce qu'il avait simplement attrapé une grippe. Aujourd'hui, on a compris c'est quoi un virus, on a compris c'est quoi une maladie. On est capable de sauver du monde parce qu'il y a un problème de diabète. C'est la science. La science, c'est tout. Et l'astronomie, ça comprend toutes les sciences. Tu as besoin de la médecine, tu as besoin de la chimie, tu as besoin de la physique, tu as besoin d'électronique, tu as besoin de l'informatique. Les sondes qu'on crée sur Terre, qu'on envoie sur Mars, qui est des petits robots de la grosseur d'un auto, si on n'avait pas étudié la physique, de tous les gens qui nous ont précédés, Newton, Einstein, et Ptolémée, tous ces gens-là, bien, on sera encore à l'âge de pierre aujourd'hui. Ouais. La connaissance de l'univers, on a découvert que dans notre environnement proche, il n'y a aucune planète qui peut nous recevoir les humains. Fait que si on est assez stupide, les humains, pour se détruire, ça ne change absolument rien à l'univers. Parce qu'on sait que l'univers va continuer sans nous autres. Oui, puis nous autres, là, on a un choix à faire. Est-ce qu'on est assez stupide pour s'auto-détruire? Continuer à détruire notre environnement en se disant qu'un jour, bon, si on détruit notre Terre, on va aller sur Mars. Mais allez voir ce qu'il y a sur Mars. Température moyenne de 55 sous zéro. Les tempêtes de sable, de manée, qui peuvent durer durant des mois de temps. T'as pas d'eau, t'as pas de lac, t'as pas d'arbre, t'as rien. Tu t'ennuierais de ton cellulaire rendu sur Mars. T'as ton Internet que t'as pas. C'est un voyage à aller. On peut aller faire d'exploration, on va aller explorer des ressources, oui. Mais de prendre les humains, les amener dans des bases, parce que là, c'est pas comme là-bas. Là. Si tu vis pas dans une base, avec tous tes besoins essentiels des humains, mais t'es pas comme sur Terre. Sur Terre, je sors dehors, je regarde le paysage, je m'en vais à la pêche, je vais voyager sur Terre, voir des différents pays, tout ça. C'est beau, la Terre. On a une superbe belle planète vue de l'espace. C'est la plus belle des planètes, moi, je trouve. Mais on y fait pas attention. Parce que on s'en fout. Mais tôt ou tard, si on la détruit, bon, ça, puis là, nous autres, là, ça change rien à l'univers. Là. Fait que nous faire comprendre que notre position dans l'univers, on est insignifiant, dans le sens que c'est un atome, comme je disais tantôt,
Mais en même temps, on est unique parce que c'est notre planète à nous autres. C'est nous autres qu'on a un choix. On a le choix de la détruire ou on a le choix d'y faire attention. Pour les générations qui s'en viennent. Puis je peux vous dire qu'avec l'industrialisation, l'augmentation de la population mondiale, la dilapidation des ressources, les scientifiques le disent tout, faut changer notre manière d'exploiter la Terre, sinon, dans X années. Et l'astronomie nous a apporté aussi de l'information sur qu'on ne sera pas éternel. Un jour, le Soleil va exploser dans 4,5 milliards d'années, puis la Terre, bon, bye-bye, va tout disparaître. 4,5 milliards d'années, ça, c'est la nature. Est-ce que nous autres, on va être assez intelligents pour découvrir les forces de l'univers pour peut-être nous permettre d'aller plus loin dans notre système solaire, dans des trous noirs ou dans je ne sais pas quoi, là, parce qu'on ne connaît pas toute la physique de l'univers, on connaît rien qu'une petite partie. Fait que c'est ça que ça apporte, l'astronomie. Ça apporte également des découvertes, parce que pour faire les sondes, ben, il faut connaître toutes les sciences en arrière de ça. On n'envoie pas une sonde sur Mars en faisant un claquement des doigts. Il y a tout un monde en arrière de ça, de scientifiques qui ont découvert des découvertes, qui ont compris comment ça fonctionne, les lois de l'univers, pour être capable de dire, je fabrique un robot ici, puis je l'envoie à ce petit point rouge qu'on voit le soir, la nuit, l'été, quand on fait notre feu de camp. Alors, la prochaine question, Denis, penses-tu qu'on devrait enseigner plus les sciences reliées à l'espace dans nos écoles? Bien, pas nécessairement relié à l'espace, mais tant qu'à moi, les sciences, c'est un peu comme... on est l'enfant pauvre au Canada, en passant, parce qu'aux États-Unis, là, l'enseignement des sciences, je prends rien que les sondes spatiales, les jeunes ingénieurs qu'on voit partout à la NASA, au Jet Propulsion Laboratory, c'est des jeunes ingénieurs qui ont étudié, puis ils ont toujours été marqués par des événements dans leur jeunesse, entre autres les lancements de fusées, puis... les sondes sur Mars, tout ça, ça les a marqués au point que ça leur a donné le goût de faire une carrière dans le domaine de l'exploration spatiale. La NASA a contribué. Également en Europe. En Europe, quand il y a eu la sonde Rosetta qui est allée sur une comète, ben, tu as tout un ensemble de pays. Tu avais l'Allemagne, tu avais l'Italie, tu avais la France, tu en avais plein d'autres, qui s'étaient mis ensemble avec l'ingénieur, le scientifique, pour bâtir un instrument, une sonde, puis ils ont réussi un exploit. Ils l'ont envoyé directement atterrir sur une comète. Ça ne s'était jamais fait. Même les Américains n'avaient pas fait. Rosetta, ça, hein? Non, ça, c'était en Europe. OK. La sonde Rosetta, c'était européen. Ben ça, ces gens-là, c'était des ingénieurs, beaucoup de jeunes ingénieurs, qui ont appris ça, eux autres, justement, parce que c'était enseigné dans leurs lycées, dans leurs écoles, les écoles spécialisées. Et pour donner le goût des sciences, il faut que ça commence jeune. Il faut que tu aies des expériences que les jeunes peuvent faire, même au niveau primaire. On peut les faire jouer avec des kits Arduino, avec un petit peu de programmation. Ils peuvent allumer des lumières, faire marcher des moteurs, juste donner le goût. Ah, c'est le fun, ça. Avec des codes, avec des commandes, ben, je peux faire bouger mon auto, mon moteur. Simplement, c'est ça, la programmation. Quand tu as une sonde sur Mars, personne ne la pousse. Là. C'est toutes des commandes informatiques qui envoient de la Terre. Ça s'en va avec les coupoles, des radios de la SCOP, mais des Space Network. C'est des antennes spécifiques pour les sondes spatiales. Ils envoient des informations. La sonde reçoit l'information. Tout étant décodé par les ordinateurs de bord. Et ça envoie les informations au moteur, au drill, au spectroscope, au spectrographe, tout ça. Ça se fait à distance, mais ça vient tout de la science. Et ça englobe un paquet de domaines scientifiques. Mais tout ça pour donner le goût, quelque part. Puis ça, le goût, tu l'apprends pas à 30 ans. Tu l'apprends des fois quand tu es jeune. Les expositions, comme on fait, ça, c'est parfait. Ça, c'est super bien. Juste, moi, les cours que j'avais à l'école en astronomie, c'était un cours de géographie. On commençait à expliquer un petit peu l'univers. Après ça, on expliquait les planètes. Après ça, on arrivait sur la Terre, puis ça restait sur la Terre. On ne parlait pas des galaxies, des amas de galaxies, des nébuleuses, des trous noirs. On ne parlait rien de ça à l'époque. Moi, j'ai appris ça moi-même parce que j'étais curieux. C'est pour ça que ça devrait être développé dans les écoles primaires, secondaires. On parle cégep. Un peu plus des sciences. Oui. C'est pas juste astro. L'astro, oui, ça devrait être. C'est pour ça qu'on va dans les écoles. Ça, les jeunes sont beaucoup ouverts à ça. Toutes les sciences de l'espace sont toutes fascinées. Ils voient ça dans les films comme Star Wars, Star Trek, ils sont impressionnés.
Mais sauf que la réalité aussi, il peut avoir éventuellement des développements. D'ailleurs, on veut revenir sur la Lune. Le Canada va s'impliquer. Le Canada est déjà impliqué dans le télescope spatial avec un instrument qui est dessus. Ça va nous donner 3% ou 5% du temps d'observation sur le nouveau télescope spatial qui va probablement révolutionner nos connaissances en astrophysique. Ben, je suis content que le Canada ait participé à ça. Mais ben, il faut donner du goût aux jeunes en faisant plein d'activités. Essayer de trouver des futurs scientifiques. Oui, mais ben, c'est ça. Si tu as le goût, ben, les jeunes vont embrasser une carrière de scientifique ou d'ingénieur. Mais ben, si tu n'as pas de goût, si tu n'as jamais vu ça dans tes cours, ben, comment tu veux qu'un jeune s'intéresse à la science? Il faut qu'il commence quelque part. Alors, tu serais d'accord pour le retour à la absolument, science dans les écoles? Absolument. J'espère qu'ils vont le faire, mais ça n'a pas l'air trop. C'est pas une de leurs préoccupations. C'est plein ça. Dis-moi, Denis, quel est l'avenir de l'astronomie au Québec? L'avenir de l'astronomie au Québec, ben, ça dépend des gens, moi je dirais. Ça dépend des gens. On a maintenant, en 2022, on a des instruments extraordinaires. Ce qu'on faisait, nous autres, dans les années 70-80, avec la photo, avec des films, des négatifs, c'est rien à comparer à ce qu'on a aujourd'hui avec la technologie. Tu as un simple appareil photo, Canon ou Nikon, ou que tu peux prendre des photos de la Lune, comme si tu étais avec un télescope. Tu as des ordinateurs de plus en plus performants, tu as des télescopes performants, tu payes sur le bouton, puis le télescope se place sur ta cible. Ouais. Tu peux prendre des photos à travers la pollution lumineuse avec des caméras sensibles, et même à distance, tu peux contrôler un télescope à distance. La technologie, elle est là aujourd'hui. Maintenant, on est loin de tes débuts. Oui, mais c'était quand même différent. Nous autres, les télescopes, il n'y en avait pas. Il fallait les bâtir. Fait que moi, j'ai appris à faire mes optiques, j'ai appris à faire mes miroirs, j'ai appris à faire mes télescopes. Aujourd'hui, mais beaucoup de compagnies sont spécialisées. Fait que les gens, il n'y a plus maintenant qui construisent des télescopes, il y en a qui achètent. Puis tu peux acheter des télescopes de tous les prix aujourd'hui. Tout dépend d'intérêt. Là. Moi, je dirais simplement que ce que ça prend au départ, c'est de la curiosité puis un petit peu de passion. Mais ça, la passion, ça peut se développer avec le temps. Là, fait que l'avenir de l'astronomie au Québec est bon. Oui, ça, moi, comme je dis, avec Internet, les réseaux sociaux, les forums de discussion, les clubs, les gens peuvent, comme moi, je communique avec des gens en Europe, de mon salon, tu sais. Ouais. Je contrôle mon télescope à distance. Il y en a qui vont dire, mais c'est plus d'astro, tu es dans ton salon, tu contrôles ton télescope. Oui, mais je prends des photos. Ah ouais. Je peux prendre des photos qui accotent les télescopes de Mont-Palomar, de 200 pouces, au début du siècle, là, dans les années 40, 50. Des photos que lui faisait avec un petit instrument de 10, 12 pouces, mais on accote quasiment les photos que lui faisait à l'époque. Oui, c'est ça, oui. La technologie. Mais il faut s'en servir. Il faut que tu aies des gens qui partagent justement leurs connaissances, leurs passions. Et on peut former des groupes avec Facebook, des groupes comme là, on veut partir un groupe Astrophoto Québec. On veut réunir des passionnés en astrophoto, autant de débutants, de personnes intermédiaires, avancées, des gens qui ont des trucs. On pourra faire des formations avec les logiciels comme Zoom. La pandémie, ça a eu ça au moins de bon. Tu sais, on a découvert Zoom. Des logiciels semblables à ça pour faire des conférences, des formations en distance chez soi. T'sais. Bon, ben, ça, il faut étudier ça. T'sais. C'est important aussi le présentiel, d'être en contact avec les humains, parce que dans mon livre à moi, t'as beau faire ça virtuel, ça a du bon, mais il n'y a rien qui vaut le vrai contact humain. Moi, je dis que c'est important de rencontrer des gens, de jaser, d'aller prendre une bière avec. Moi, j'étais allé voir une éclipse aux États-Unis en 2017. Puis avec, simplement, en allant souper après un colloque d'astrophotographie. On a décidé ça à la table en mangeant. Puis on a réalisé un des plus beaux voyages de notre vie astronomique. On a vu une belle éclipse au Wyoming. Si tu veux bien, Denis, je vais te montrer une autre vidéo d'un autre de tes amis. Alors, un autre passionné. Écoute bien. Environ 10 ans qu'on se connaît. La première fois que j'ai rencontré Denis, c'était dans le cadre de l'ACAIC, qui était une activité de formation. Il m'a demandé d'être formateur pour les sessions à la CAIC. Puis depuis ce temps-là, je pense que je suis chanceux de pouvoir compter Denis comme un de mes amis. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui a de l'énergie, c'est quelqu'un qui veut partager, c'est quelqu'un avec qui c'est le fun d'être, de passer du temps, d'avoir du bon temps. Il déborde d'idées, il déborde d'enthousiasme.
Puis en fait, en astronomie, Denis, il est partout. Je veux dire, au Québec, c'est quelqu'un, c'est un incontournable. Ben, je fais souvent des activités, là, je prends du temps pour passer avec Denis, que ce soit pour la kayak à chaque année, que ce soit pour aller au lac Écho au mois de juillet. On a même fait un super voyage en 2017 avec un autre Denis, Denis Saint-Gelais. On est allé voir l'éclipse solaire totale au Wyoming, puis ça a été une des plus belles expériences. En fait, en astronomie, c'est probablement parmi les trois meilleures expériences de ma vie. Donc, on a passé un temps super. Fait que vraiment, je pense que Denis, bravo. Bravo pour tout ce qu'il fait. Bravo pour son énergie. Bravo pour sa ténacité, son enthousiasme. Je pense que l'astronomie au Québec, lui doit une fière chandelle. Fait que, vas-y, mon Denis, on lâche pas, on continue, puis on t'aime comme ça, change pas. Ah oui. Un Un autre super bon gars. Un autre bon Ah, témoignage écoute, aussi. Yves, ce qu'il a dit, ça pourrait être lui, là, tu sais. Yves, puis même chose pour Martin Desrosiers, Alain Garman. Yves, c'était celui, moi, qui m'a fait passer de la photo, pour moi, inacceptable à la photo Ah, acceptable. acceptable, ouais, c'est ça. C'est lui qui m'a donné la petite information qui me C'est manquait ça. pour parvenir à faire mes bons traitements. Ben, tu vois, des DOP. gens comme ça, des gens comme Yves, des gens comme Alain, Carmen, Martin, toi aussi, c'est ça qui est le fun, c'est que chacun met sa passion. Le mot passion. Moi, je pense, je considère que si tu n'as pas la passion, regarde-moi, ça fait depuis l'âge de. Depuis longtemps, je me souviens, depuis l'âge de 8 ans. J'en ai 66 aujourd'hui. Fait que. Puis, je ne suis pas demain matin que je vais arrêter. J'ai l'intention de continuer et de donner le maximum que je peux, tant que la santé va être là, évidemment. Ben, merci, Yves. Merci. J'apprécie. Merci d'avoir pris ce temps-là. Merci, oui, c'est bien apprécié. Toujours selon toi, Denis, qu'est-ce que ça prend en 2022 pour devenir un astronome? Simplement la curiosité. Tout simplement. C'est d'être capable de s'asseoir, mettons, tu es en au lac Écho, justement. Une anecdote que je pourrais t'amener, ça m'avait impressionné. Deux anecdotes. La première, c'était quand j'étais au Chili. J'étais au Chili en 1986, j'étais au Chili en 1993, avec Pedro Barquez, qui est un Chilien d'origine, qui est un de mes grands amis. Passionné aussi. Pedro, il a 74 ans, puis il est aussi passionné qu'il était. On est des grands amis. Et je me souviens, j'étais assis à 2 h du matin sur une roche dans le désert d'Atacama. Tu vois le découpage des Andes, c'est comme des grandes montagnes avec des cactus. Et tu voyais la Voie lactée, là, d'un horizon à l'autre, tellement brillante, là, tellement belle, tu n'entends rien. Tu n'entendais absolument rien, aucune pollution lumineuse. Moi, j'ai vécu comme une expérience mystique. Un peu comme Jodie Foster, à un moment donné, qui était dans le film Contact, qui est assis, puis elle regarde l'univers, on lui pose la question, parce que tu penses que la vie existe ailleurs. Elle disait, ben, si la vie n'existe pas ailleurs, ça serait un méchant gaspillage d'espace. Effectivement. Fait que c'est pour ça qu'on reconnaît c'est quoi l'univers. On vit humblement. Mais moi, c'est ça, c'est la curiosité. Puis, un autre anecdote que je vais apporter, c'est au lac Écho. On avait un avocat américain qui était venu passer du temps au Québec. Il cherchait une activité astronomique. Le gars, il avait un télescope de 10 pouces qu'il avait installé. Il était là 2 semaines. À tous les soirs qu'il faisait beau, il était assis à côté de son télescope, puis il regardait le ciel. À un moment donné, je lui demande, il dit, est-ce que pourquoi tu ne sers pas ton télescope? Et ton télescope est à côté. Puis il dit, moi, je suis à Baltimore, aux États-Unis, et pour voir un ciel de même, il faudrait que je fasse quasiment 10-12 heures de route vers l'ouest. Aller dans les coins de Wyoming, à ces coins-là, Dakota du Nord, coin perdu, parce que la partie est des États-Unis, c'est tellement pollué que tu ne vois même plus les étoiles. Même les plus brillantes, tu as de la misère à les voir. Fait que lui, il était simplement assis là, un avocat, il regardait le ciel, il dit, moi, juste assis à écouter les grenouilles, à entendre les huards, la paix, pas de lumière, pas de pollution lumineuse, pas de trafic, juste voir la Voie lactée. Moi, je suis comme si je vivais une expérience mystique.
Je suis en contact avec l'univers. C'est ça qu'il a fait pendant 2 semaines de temps. Il a adoré l'hospitalité des gens du lac Echo, les astronomes. Je me rappelle de ce temps-là, de cette personne-là. C'est ça. Ben, tu sais, c'était un Américain. Il ne connaissait pas personne. Puis on l'avait invité à nos soupers communautaires. J'avais fait goûter le doré. J'avais attrapé un poisson. C'était une autre de mes passions, la pêche. Ben, tu vois, c'est ça. On partageait. Puis juste le fait, puis j'avais compté mon expérience du Chili, je le comprenais très bien. C'est simplement la curiosité. Être assis, d'arrêter là, de vivre en fou comme on vit tout le monde. Là. Dire, là, moi, je suis dans la nature. Là. Je prends ce moment-là, m'asseoir, j'écoute, je regarde. Puis dans mon cas, moi, c'était l'univers. Parce que l'univers, moi, c'est infiniment petit et infiniment grand, avec tout ce que ça se constitue. Les forces, les éléments. Et c'est ça, c'est beau l'univers aussi. C'est fascinant, c'est mystérieux, c'est extraordinaire, c'est mystique. Et c'est ça. Et c'est ça qui me tient, moi, humble, parce que je me dis, on est tellement petit devant tout ça. Puis la fameuse question, pourquoi si grand? Tu sais, si on n'avait pas de ciel, on n'avait pas de galaxie, puis de nébuleuse, puis de planète, pas ça, la seule planète. Puis le soir, tu n'aurais même pas, comme un ciel nuageux, tu n'aurais même pas une étoile. Ça aurait été correct. On aurait connu rien que ça. Là, on aurait pu dire, mais la Terre, elle est unique. Puis on est unique. Mais non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Fait que même matin, la Terre explose. Ça change absolument rien d'univers. Fait que le simple intérêt. Simple intérêt. Le simple la curiosité, intérêt. L'intérêt, c'est de prendre le temps de te poser la question, c'est quoi ça? C'est quoi l'univers? Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre les bases, au moins, d'astronomie. Savoir c'est quoi une galaxie, c'est quoi un amas de galaxies, les distances des galaxies. C'est pour ça qu'on fait des gros télescopes spatiaux. On vient d'envoyer James Webb, que j'ai photographié d'ailleurs avec mon télescope, oui. en mouvement en direction de sa destination. Et ça, j'ai pu voir un petit trait dans mes images, mais ce petit trait-là, c'est 30 ans de gens, de passionnés, des ingénieurs, des scientifiques qui ont mis 30 ans de leur vie à concevoir, j'aime bien la phrase du directeur de la NASA, on fait de l'impossible du possible. Ça, c'est toute beauté, voir ça. Et la collaboration entre ces gens-là, des gens d'Europe, les États-Unis, tous les scientifiques du monde entier, c'est de voir que quand on se met en collaboration, voici ce qu'on peut faire. Des beaux projets comme ça. Et ça, je trouve ça au niveau humain, c'est extrêmement attirant. Ça rentre exactement dans mes valeurs. On met notre collaboration ensemble et on crée des belles choses pour l'humanité. Alors, devenir astronome est quand même assez simple en ayant un intérêt pour l'espace ou... Ben, moi, mes petits-enfants, je ne les fais pas devenir un astronome, mais je leur montre c'est quoi. J'ai montré à ma petite fille cet été, quand elle est venue, la Lune dans mon télescope que j'ai bâti moi-même quand j'avais 16 ans, quand j'étais moniteur à la Société d'Astronomie de Montréal. J'ai encore mon télescope à cette époque-là. Et elle a regardé la Lune. Puis elle a fait un wow. Bon, mais ce petit wow-là, ben moi, je l'ai eu aussi à son âge. Ah oui. Lorsque mes oncles ont pris le temps d'installer un télescope pour regarder les oiseaux, mais ils ont mis ça à la lune. Tu sais. Moi, j'ai eu ce wow-là à 47, 48 c'est ans. C'est ça. Ben, il n'y a pas d'âge. Hein, quand j'ai vu Saturne. Ben, c'est ça. Ben, moi, justement, Saturne, lorsqu'on a 70, lorsque M. Grenier, qui m'avait donné les 10 de Pyrex pour faire des miroirs, il a pris le temps de venir avec moi, avec mon père. Alors, il y avait une soirée populaire avec 4000 personnes. Il y avait 40 télescopes installés. Et c'était des télescopes fabriqués par les gens, les miroirs, puis tout ça. Puis le Québec était un des meilleurs. Quand on présentait les miroirs qu'on faisait à la main, il y avait une grande activité à Stellafane aux États-Unis, où tous les Américains, les Canadiens présentaient leur télescope. Et là, il y avait des juges qui passaient. Et le Québec remportait beaucoup de prix optiques. Tellement que la qualité est la bonne. Et c'est là, à la Société sur Montréal, que d'autres passionnés avant moi qui étaient là, qui ont mis ça de l'avant, le laboratoire, pas le laboratoire, mais disons que la salle d'optique, pour faire des miroirs. C'est des gens qui ont cru à ça, qui nous ont amené ça comme activité à l'époque, et ça, c'était très attirant. Juste pour te dire, ça commençait à 7h. À 7h30, tu n'avais plus de place. Fait que là, tu arrives à 7h10. Ouais. Là, tu trouves une place pour faire ton miroir parce qu'à 7h30, tu n'avais plus de place. Tu as plein de monde qui faisait des miroirs.
des 8 pouces, des 6 pouces, des 12 pouces. Et c'était toute la beauté de voir ça. Je sens encore la poids là, qu'on prenait à faire des polissoirs. L'abrasif, on entendait ça grandir. La salle de vérification des miroirs avec le testeur de Foucault, que tout le monde faisait la ligne pour se faire tester le miroir. Là. Les premières fois, j'ai vu un miroir avec les ombres. C'était comme un jeu d'ombre qu'on voyait sur le miroir. Là, je disais, waouh, tu sais, c'est fantastique. L'optique, tout ça. Là. Creuser un miroir qui, au départ, il est plein avec des abrasifs. On donne une courbure. Après ça, on corrige les défauts. Après ça, on peut faire une couche d'aluminium dessus. Puis là, tu regardes dedans. Puis tu vois, je vois l'univers dans mon télescope. Tu sais. Ça, c'est quelque chose à vivre. Tu sais. J'en ai fait deux. 12 pouces. Et j'ai gagné un prix d'optique en 2007. J'ai fait un 6 pouces. Ben, j'ai fait ça, c'est le télescope bleu, je pense. Le télescope bleu, c'est ça. Que je sers à Dakeko pour l'observation. Les gens disent souvent, waouh, le piqué de tes étoiles sont belles. Tu sais. Puis là, mettons qu'on a l'intérêt à devenir un astronome amateur. Doit-on dépenser beaucoup d'argent non. pour se donner une telle non. passion? Non, non. Je reviens encore à l'intérêt, la curiosité. Et ça, la dépense, ça dépend de la personne. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir un gros télescope. Moi, j'ai, à mon âge, mais j'étais passionné, là. OK? J'ai commencé il y a longtemps. Il y a des gens qui commencent en astro, ils disent, ben moi, je veux commencer en astrophotographie tout de suite. Fait que je veux m'équiper. Justement, ils viennent aux ACAIC, aux ateliers conférences en astro-imagerie. Il y en a encore des professionnels, des avancés comme Yves Tremblay et Martin. On échange, on donne des trucs, des bons trucs. Et tu peux commencer bas avec un petit instrument, une bonne monture. Puis là, tu vas prendre des belles nébuleuses, tout ça. Tu te dis, ben là, maintenant, je vais aller plus loin. Fait que ça, c'est toujours le problème qui nous arrive. On veut toujours avoir plus, plus loin, plus oui, haut. On veut toujours faire mieux, toujours. Toujours plus beau, plutôt plus puissant. Ben ça, c'est nous autres. Fait que si quelqu'un veut commencer... Simplement, tu vas dire, mais regarde le ciel, essaie de trouver. Moi, je me prenais mon vélo, j'avais fait des petits télescopes avec des petites pattes de terre en verre, on protégeait des planchers, on faisait des miroirs avec ça. Je mettais ça dans mon pack sac, je prenais mon vélo, puis j'allais trouver des places qui n'avaient pas de pollution lumineuse au bord du fleuve à Repentigny. Je voyais un petit peu la voie lactée, je sortais mon télescope, puis je regardais dedans. T'sais. Là, j'avais à peu près comme 16-17 ans quand je faisais ça. Là. C'était ma passion. Mais aujourd'hui, avec tout, on peut acheter dans l'usager, on peut acheter. On peut faire partie d'un club, on peut faire partie des groupes sur Internet, on demande des conseils. Il ne faut pas gêner de demander des conseils. Il y a toujours quelqu'un dans la communauté astronomique internationale, que ce soit en France, aux États-Unis, en Europe, partout. Les astronomes, il y a un point commun, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très, très, très humbles, dans le sens que ça leur fait plaisir de partager leurs trucs, leurs connaissances, de donner des bons conseils, puis d'aider. C'est ça qui est le fun, tu sais. Donc ça, c'est une belle communauté. C'est des gens qui sont extraordinaires. Moi, je considère que le côté humain de ça, comme Yves, on a justement été voir une belle éclipse ensemble avec un autre ami. Lors, qu'on s'est rencontrés lors d'activités comme ça. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, le côté virtuel, ça a son avantage, mais le côté humain, c'est encore mieux. Donc, toujours rencontrer des gens que tu peux les voir, leur jaser, prendre une bière avec. Ça crée des contacts, ça crée des amitiés. Et ça nous aide à cheminer. On est chanceux d'avoir des gens comme des gens que tu as présentés ce soir. Là. Il y en a d'autres ouais. aussi, là, mais ouais, il y a beaucoup. C'est quand même chanceux. Je suis privilégié d'avoir connu ces gens-là pour ça. Parce que j'aurais jamais été là où je suis rendu sans ces gens-là. Oui, on a tout à apprendre de chacun. Exactement. Exactement. Ça fait que avec quand même peu de moyens, on peut ouais. parvenir à Absolument. Faire. Il y a des très beaux livres à tourner autour de ce hobby-là. Avec des belles photos, des beaux détails, écrits de manière que des gens peuvent comprendre sans trop de termes scientifiques ou de problèmes mathématiques, juste pour donner le goût, savoir c'est quoi l'univers. Tu sais, il y en a plein. Il y a plein d'émissions à la télévision, sur Internet, YouTube. Il y a énormément de tous les trucs en astronomie que tu peux apprendre là. En photographie, en observation du ciel. Plein de trucs que tu peux apprendre, mais c'est ça. C'est dépend de la personne elle-même. Il faut accepter de vouloir apprendre si on veut aller plus loin, ou de mettre des efforts. Fait que, si, moi, je dis tout le temps aux gens, si tu veux faire de l'astrophotographie, tu as un niveau d'apprentissage à faire. Si tu n'es pas prêt à mettre le temps, si tu n'es pas prêt à mettre des efforts,
t'embarques pas dans ça. Ben, c'est comme dans n'importe quoi. C'est comme dans la musique. Ouais, tu veux apprendre à jouer du piano à 40 ans, ben, faut que tu acceptes à un moment donné d'y mettre du temps et de la pratique à 40 ans. C'est beaucoup de temps. Si t'es doué, mais là, c'est une autre affaire. Ça peut être beaucoup de temps selon ce que tu veux. Oui, mais le temps... Le niveau que tu veux atteindre. Le temps, c'est nous autres qui décident qu'est-ce qu'on fait avec. Mais une fois que tu as acquis les bases, le reste vient tout seul après ça. Mais c'est que là, c'est là que ça devient fascinant, passionnant. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens de la première image de la Lune que j'ai faite avec une caméra en plastique avec du film 400 ISO, noir et blanc. Je l'ai encore, cette image-là. Si je te montrerai l'image, tu dis, c'est quoi ça? Tu dirais ça, ça va dans le panier, mais la poubelle. C'était probablement une de tes meilleures photos à l'époque. C'était moi qui l'avais pris à travers un télescope que j'avais bâti moi-même. C'était le premier cratère que je voyais. Je montais ça à ma main, puis ça demandait c'était quoi, là. Ouais. L'émission a tiré à sa fin, Denis. Hein? Il y a toutes bonnes choses à nous faire. Oui. J'en aurais peut-être une dernière. OK. Dis-moi, à ton âge, Denis, est-ce que la passion est toujours là? Moi, je dirais plus que jamais. Moi, je m'en vais à 67. Là, j'ai 66. Je viens d'avoir 66. Je m'en vais à 67 ans. Moi, ma passion va me suivre jusqu'à la mort. Et même dans l'au-delà. Si même au-delà dans existe, l'au-delà. Ah oui. Boss Lady. C'est ça. Au-delà, oui. Oui, la passion, elle est tout le temps là. Justement, je suis retraité. Maintenant, je peux en passer du temps à vivre mes passions. Puis c'est toute l'accumulation de toutes mes années d'expérience en arrière avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, avec les nouveaux développements de nouvelles activités qu'on fait avec des passionnés comme Yves, puis Alain, puis toi, les autres. C'est ça qui est la beauté à notre âge de pouvoir profiter, malgré l'âge, là, malgré de plus en plus, on est plus jeune, on n'a plus la résistance que j'avais à 25 ans pour aller sortir dehors avec un télescope. Puis, suivre une petite étoile pendant 2 heures de temps à 25 sous zéro pour aller prendre une photo d'une nébuleuse. C'est comme j'ai dit, j'ai commencé trop tard, moi. Oui, c'est ça. Ben aujourd'hui, on fait ça par Internet. On fait ça avec tes contrôles. J'imagine si j'avais commencé à l'âge que tu as commencé, où j'en serais rendu. Ben, c'est ça. Fait que aujourd'hui, moi, je sais pas si mais la passion, elle se perd pas vraiment. Non. Une fois que tu as mis les pieds dans ça, ben, j'ai l'impression que ça doit être assez... Ben, c'est parce que... C'est dur de ne pas lever les yeux en l'air. On t'a dit, rien qu'un exemple, là, la passion, c'est ce que ça donne. En fait, ce que je dis là pour l'astronomie, c'est général pour n'importe qui. Là. Ça peut être un artiste, ça peut être un sculpteur, un joueur de hockey, des gens de passionnés, dans n'importe quoi. Là. Quand tu as une passion, ça, comment je peux dire, là, ça vient te chercher dans ton fort intérieur parce que tu te dis... Tu mets toute ton énergie, tu mets toutes tes connaissances pour aller chercher le meilleur de toi-même. Et quand tu as les résultats au bout, là, mais t'es comme tu vis une espèce d'extase. Là, c'est comme mon projet là, de faire un observatoire automatisé. C'était un rêve. Je l'ai mis par étapes de l'avant. Il se développait mon rêve de plus en plus. Aujourd'hui, je peux dire que je suis au nirvana. Ouais. Parce que maintenant, je peux être chez ma soeur à Laval. Il y a un phénomène comme le télescope spatial, c'était le lancement le 25 décembre. J'étais chez ma soeur. Ben, j'ai pris ma tablette, puis j'ai assis le tableau chez moi, le 26, le 27, et j'ai pu prendre des photos de télescope spatial quand j'étais à Laval chez ma soeur, sa table de cuisine. J'aurais pas jamais fait ça dans les années 70. Là. C'est ça la beauté d'aujourd'hui. La technologie. Où il y a quelques années, ça, m'appeler pour aller ouvrir ton toit pour que tu puisses, que tu puisses faire c'est dans... C'est ça. Aujourd'hui, on a des caméras. Aujourd'hui, on pèse sur le piton. C'est ça, on pèse sur le bouton. Puis... Le toit où? C'est ça. Ou bien, si la personne ne connaît pas ça, tu as ton téléphone cellulaire et tu le diriges. Mais là, décroche, tu as l'affaire sur mon toit, là, on va désactiver le moteur et tu vas pouvoir pousser le toit tout seul. Tu sais. Sur ça, Denis, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette première... émission que Cogiton Astronomie. Ben, on merci, t'a bien. Puis... On t'a rendu peut-être un petit peu plus un hommage que... Ben, c'est gentil. Qu'une cogitation. Ouais. Mais j'invite les gens, là, je vais voir là, comment ça va se dérouler tout ça et voir si je vais faire d'autres émissions. Ben, je voulais avoir le grand avant de commencer pour m'aider à avoir une meilleure opinion de ce que je vais faire avec ce projet-là. Moi, j'avais peut-être un message pour... En tout cas, je te remercie, Fabien, de me donner l'occasion de m'exprimer.
Mais je remercie mes amis, là, Martin Desrosiers, Alain Carmen, Yves Tremblay, tous les autres qui n'ont pas pu participer à l'émission. Dites-moi une chose. Mais je n'ai pas pu contacter tout le monde. Ben, oui, un petit peu, le professeur se promenait. C'était pas un enfant facile. Dans mes cours de religion, je posais trop de questions. Qui a créé Dieu? Pourquoi? Puis là, je me faisais réprimander. J'allais à genoux. Ben, en tout cas, c'est ça pour dire que à l'époque de ma jeunesse, à ma début de la jeunesse, je n'aurais pas pensé d'être capable de me rendre là où je suis aujourd'hui. Et c'est tout le cheminement d'une vie, en fond. Ça m'a aidé dans mon travail aussi, parce que j'ai développé plein de techniques au niveau de mon travail qui a fait que on m'a même décerné une médaille du gouverneur du Canada, Julie Payette, l'astronaute, et l'ancienne gouverneure générale, pour l'accomplissement de mes 36 ans de travail comme agent de protection de la faune. T'sais. Fait que ma passion d'astronomie, j'en ai transféré un bon bout dans mon travail pour développer des outils, parce que j'étais un peu comme un policier de la faune. On fait des surveillances avec des télescopes, avec des vidéos, tout ça, des appareils photo. C'est tout moi qui ai amené ça au ministère, ça n'existait pas quand je suis rentré. Puis à la fin, au début, on a eu des reporters à Radio-Canada, ils nous prenaient comme des Yogi Lousse, au début. À la fin, ils se félicitaient comme des James Bond de la forêt. Parce qu'on surveillait des grosses gangs, des réseaux de braconniers à distance, des télescopes modernes, puis tout développé. Avec mes connaissances dans l'astro. C'est pour ça que je m'en vais donner. Sur ça, Denis, merci. Merci beaucoup. Puis prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment. Puis regardez l'univers. Et bon ciel. Bon ciel.